prendre son pied. À la simple évocation de cette expression, nous constatons de prime abord qu'elle fait rire. Elle fait même très rire. Et voilà, vous voyez bien que je n'avais pas tort. Ok les amis, trêve de plaisanterie, d'accord? Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ces rires en cascade? Hey, que disait? Que disait ça ici? Bien sûr, allez-y, dites-le. Je te jure, je ne peux pas donner la qualité. Non, c'est pas possible. Bah ça, c'est trop fort. Très bien, ce n'est pas grave. Dites-nous au moins ce que signifie pour vous prendre son pied. Prendre son pied, ça n'est même pas compliqué. Moi, c'est mauvais. Ce que moi j'entends par là, c'est vraiment une mauvaise signification. Quand il dit qu'il prend son pied, ça veut dire qu'il prend les décisions. Il prend une décision stricte, non? C'est comme peut-être un homme, on peut dire, un homme prend ses décisions. Il prend un engagement qui va au-delà de ses limites jusqu'à... Oui. Se lever de soi-même, c'est-à-dire que prendre son courage, en tout cas. Prendre son pied, c'est quand vous êtes à deux, là, non? Vous avez déjà fait les choses et tout. Comment tu es fatigué, là? Non, je dis que prendre le pied pour moi, c'est trop fort, c'est un mot trop fort pour moi. C'est après que tu sens que tu avais pris ton pied. Quand on dit prendre le pied, on demande à quelqu'un de foncer à l'intérieur de la femme. Moi, je sais que c'est ce qu'on me dit. Je crois qu'il faut clore ce débat, les amis. Allons poser la question à quelqu'un qui fait montre d'une parfaite maîtrise linguistique, d'accord? Prendre son pied signifie seulement avoir plaisir à faire quelque chose. C'est-à-dire, lorsque vous aimez par exemple la lecture, comme moi qui aime la littérature, ben, j'aime prendre mon pied quand je suis en train de lire. Alors, beaucoup de gens l'ont assimilé au sexe. Ça veut dire prendre son pied, c'est faire de l'amour. Donc, vous voyez, ça rapproche au plaisir. Mais il faut dire que l'expression prendre son pied est née au 19e siècle, effectivement. Et au 19e siècle, à l'époque, ça signifiait une unité de mesure à l'époque des corsaires. Alors, cette unité de mesure permettait de récompenser de manière équitable un acte qu'on a posé. Donc, lorsque vous avez posé quelque chose de bien, pour vous récompenser, on vous donnait ce qu'on appelait son pied ou le pied, tout simplement. Ok, je comprends. Merci beaucoup pour vos contributions. Et n'oubliez surtout pas de prendre votre pied en regardant ce programme. À très bientôt.